ces deux saisons-là, j'ai pas marqué. Voilà, ces deux saisons-là, j'ai fait quelques passes, mais j'ai pas marqué. Pas marqué souvent, mais j'ai marqué des beaux buts. Mais j'ai pas marqué souvent. Je pense que le moment où j'ai été au mieux dans ma carrière de joueur, c'est les deux premières saisons au Stade Lavallois, en 95 et 97. C'était avec Denis Troche comme entraîneur. Mais je jouais latéral gauche, où j'ai vraiment joué latéral gauche. J'ai été formé au milieu et j'ai joué beaucoup piston gauche. Et j'ai joué pendant deux saisons latéral gauche. Et je pense que c'est les deux saisons, c'est pas je pense, j'en suis sûr, non seulement où j'ai joué tout le temps, sauf les moments où j'avais des petits bobos, et puis où à la fois individuellement, collectivement, on a fait des choses sympas, puisqu'avec un tout petit budget à Laval à l'époque, on a joué la montée jusqu'à la dernière journée en Ligue 1. Et puis la deuxième année, on a fait une demi-finale de Coupe de France. Qui laisse quelques regrets, mais voilà, donc je pense que c'est 95-97. Vous voyez, c'est pas hier. Ces deux saisons-là, j'ai pas marqué. Voilà, ces deux saisons-là, j'ai fait quelques passes, mais j'ai pas marqué. Pas marqué souvent, mais j'ai marqué des beaux buts. Mais j'ai pas marqué souvent. Je sais pas si j'aurais préféré en marquer 50 de plus, qu'ils soient moins beaux. Mais donc dans ces deux saisons-là, c'est ce que collectivement on avait réussi à faire. Voilà. À la fois sur le terrain et en dehors, parce que je crois que tous les samedis soirs, quand on jouait à domicile à Le Basser, je pense qu'on mangeait tous les joueurs ensemble avec les femmes ou les compagnes, et que ça on s'en rappelle en fait. Voilà, au-delà des résultats, des victoires, des défaites, on se rappelle de ces moments qui étaient des belles saisons.